Inculquer le goût de la lecture aux élèves afin d'améliorer leur rendement scolaire. C'est ce à quoi s'attellent les femmes chefs d'établissement. Depuis 2 ans, elles initient une caravane de livres pour inciter les responsables d'établissement à doter leurs écoles de bibliothèques. Après 10 années de crise, l'école ivoirienne a perdu de son lustre d'antan et les élèves, de façon évidente, ne suivent plus et les résultats scolaires ne sont pas bons. Nous profitons pour essayer de les mettre à niveau à travers le livre. Un appel qui n'est pas tombé dans des oreilles de sous. Le proviseur du lycée moderne Adjamé Ariste a compris l'importance de cette action. Une bibliothèque vient de voir le jour. Quand les enfants arrivent, ils sont à la porte, quand ils n'ont pas cours. À quoi faire? Jouer. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas les occuper autrement? En ouvrant une bibliothèque, en leur donnant des livres pour leur permettre de se cultiver, le livre peut nous permettre de voyager. Donc pourquoi ne pas apprendre à travers les livres les cultures d'autres pays? La bibliothèque ici, ça nous arrange. Souvent, il y a des mots difficiles que nous ne comprenons pas. Nous pouvons aller dans la bibliothèque pour pouvoir chercher les mots difficiles. Bientôt, nous serons en classe d'examen. Nous avons besoin de la bibliothèque pour pouvoir comprendre les mots. Depuis la création du lycée moderne Adjamé Ariste en 1957, c'est la toute première fois que l'établissement dispose d'une bibliothèque. L'année 2013 étant décrétée année du livre, les structures étatiques et éducatives entendent sensibiliser les élèves sur l'importance de la lecture.